cher Chris. Quelle est ton espérance pour les PG en 2024? Ben Chantal, j'ai beaucoup d'espérance pour les PG en 2024. Comme je préside le consistoire, je sais qu'il y a de nouveaux conseillers qui vont se présenter au consistoire. Il y a des plus jeunes qui s'intéressent énormément à ce que nous faisons. Et puis, on a vraiment une envie de travailler ensemble, les deux journées passées ensemble, à créer une convivialité, une confiance. Et je pense que ça va vraiment durer et prendre l'ampleur en 2024. Et toi, Chantal, toi, pour l'EPG, quelle est ton espérance? Alors moi, je nous souhaite à tous et à toutes de vivre ensemble une année fraternelle. Du plus petit enfant jusqu'à la personne âgée, à la fin de son parcours de vie, chaque personne doit pouvoir trouver un espace où vivre sa spiritualité dans notre Église. Je souhaite que nous prenions soin les uns des autres et que nous soyons accueillants et bienveillants envers nos frères et sœurs en humanité, dans leur recherche ou dans leur souffrance. Quelqu'un disait, dans le monde, il y a deux grandes forces. Les armes de guerre et la prière. Et à la fin, c'est la prière qui gagne. Soyons donc une église priante dans ce monde tellement bouleversé. 2024, pour moi, sera une année riche en découvertes. D'abord, la suite de la caravane de la mission, partout dans les régions, le projet Salomon et ses nombreux ateliers, le nouveau ministère pionnier sur le web de Caroline Acosta, une offre renouvelée pour la jeunesse et sa co-construction avec les jeunes. Il y aura des occasions de se retrouver tous ensemble en janvier autour d'une raclette, puis en mai avec la fête de l'Église. Si notre Église devient plus faible par manque de ressources, elle n'est pas pour autant affaiblie, dans la mesure où chacun d'entre nous se sent responsable de la vie de l'Église.